Ma maman me disait souvent que ce n'était pas la petite bête qui allait manger la grosse. Ces paroles gardent encore tout leur sens aujourd'hui, puisque dans le cadre de ma thèse, j'œuvre tous les jours pour ne pas que ça soit une petite bête qui gagne la bataille. Cette petite bête, c'est elle, le cancer ou le crabe, comme certains l'appellent. En effet, tel un crabe qui tient fermement sa proie, lorsque le cancer se retrouve sur un organe, il est difficile de le lui faire lâcher. Bien qu'il existe actuellement des traitements, qui sont le plus souvent des chimiothérapies, le cancer peut résister à ces chimiothérapies. Cette résistance est très problématique, surtout pour le cancer de l'ovaire sur lequel je travaille. Trouver de nouveaux traitements plus efficaces devient alors un enjeu indispensable, défi que j'essaie de relever durant ma thèse. Pour trouver ces nouveaux traitements, j'utilise de toutes petites molécules qui portent bien leur nom puisqu'on les appelle des micro-ARN ou encore MIR. Ces MIR sont très importants au sein de notre corps puisqu'ils régulent l'expression des gènes. Les gènes, vous savez, ce sont ces molécules que l'on a dans chacune de nos cellules et qui vont définir le devenir de ces cellules. Eh bien, sachez que les gènes n'ont pas les pleins pouvoirs puisqu'ils sont eux-mêmes gérés par les MIR. En effet, les MIR, tels des marionnettistes, ont la capacité de tirer sur des ficelles et de définir si un gène s'exprime ou non. J'ai besoin, moi aussi, je suis un peu une marionnette, là, faudrait qu'on me réveille. Un conseil, ah oui. Les MIR sont petits, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ils sont costauds. Ils peuvent tirer en même temps sur plusieurs ficelles et réguler ainsi l'expression de milliers de gènes. Imaginez un peu le boulot. Parfois, les gènes deviennent fous et entraînent et ordonnent aux cellules de se diviser de façon anarchique, ce qui conduit à l'apparition du cancer. Mais certains MIR ont la capacité de dompter ces cellules cancéreuses en tirant sur les bonnes ficelles et en empêchant ainsi l'expression de ces gènes fous. C'est pourquoi la première étape de ma thèse est d'identifier les meilleurs marionnettistes, c'est-à-dire les MIR capables d'induire la mort des cellules cancéreuses ovariennes. Malheureusement, les MIR ne peuvent pas être utilisés aujourd'hui comme des médicaments. C'est pourquoi la seconde étape de ma thèse est de comprendre comment ces MIR ont réussi à induire la mort des cellules cancéreuses. Et pour rien vous cacher, ceci n'est pas facile. Les MIR ne parlent pas le même langage que nous, et il faut donc être très attentif pour pouvoir identifier sur quelle ficelle ils tirent, et donc quel gène fou ils empêchent l'expression pour conduire à la mort des cellules cancéreuses. Comme vous l'aurez compris, le travail d'apprenti marionnettiste n'est pas toujours facile, et il faut parfois savoir défaire les nœuds lorsque les ficelles s'en mêlent. Mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai déjà identifié plusieurs MIR capables de tuer les cellules cancéreuses et que je suis en train d'identifier les gènes fous ciblés par ces MIR en vue de pouvoir proposer de nouveaux traitements efficaces et ainsi avoir la mort des cellules cancéreuses en ligne de mire.